Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'infos. Deux câbles sous-marins en mer Baltique ont été perturbés en un rien de temps, ont indiqué des responsables de l'OTAN et des sociétés de télécommunications locales. Cette situation fait craindre un sabotage par des acteurs malveillants dans la région à un moment où l'Alliance est en conflit avec la Russie. L'Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles à longue portée, attaque MS, contre une cible en Russie, selon l'agence de presse ukrainienne RBC Ukraine, citant une source au sein des forces de défense du pays. Pas moins de 6 missiles auraient été lancés sur le territoire russe. La mort d'un transfuge russe qui a trahi Maxim Kouzminov, le déserteur le plus célèbre d'Ukraine, a été abattu dans une ville balnéaire espagnole. Des frappes aériennes israéliennes ont touché le parlement libanais et le siège de l'ONU. L'Iran pousse le Hezbollah à mettre fin à la guerre avec Israël. Les juifs et les homosexuels devraient cacher leur identité dans les quartiers arabes, déclare la chef de la police de Berlin. Barbara Slowik affirme que certains habitants sont ouvertement hostiles aux juifs et sympathisent avec les groupes terroristes. En Russie, à l'école, on vous apprend le pilotage des drones. Rien de plus normal. La chef du district de la région de Koursk a refusé de démissionner, mais les résidents exigent son licenciement avec une pétition. L'onde de choc de Trump se propage dans un G20 fragmenté. L'Europe n'a toujours pas compris le langage du pouvoir, déclare le chef de la diplomatie européenne sortant. Soyez plus unis, prenez des décisions plus rapidement, les événements ne vous attendent pas, affirme Josep Borrell. Intelligence Online dévoile que la chaîne Telegram 5ème République est longtemps restée un mystère pour les services français de contre-ingérence et de lutte contre les manipulations de l'information. Elle dispose d'un collaborateur français payé par Moscou, installé à Nantes, en Loire-Atlantique. Un avion militaire spécialisé américain capable de détecter les activités nucléaires depuis le ciel a été repéré, se dirigeant vers l'océan Indien pour une éventuelle mission d'échantillonnage de l'air. L'inquiétude monte alors que l'Iran renvoie Narges Mohammadi, une lauréate du prix Nobel, en prison. C'était une aiguille dans une botte d'infos, et je vous dis à bientôt.